Eh bien, on va faire une super photo avec Bastien. Bonjour, je suis ici pour Éco-citoyen Paris Rive Gauche, qui est un projet d'animation sur les comportements du vivre bien ensemble. Je vous vois avec des vélos électriques. Qu'est-ce que vous faites là sur un des quais de la Seine? Alors en fait, on est ici sur effectivement un quai de la Seine près de la bibliothèque François Mitterrand depuis midi pour faire aux gens des essais de ce qu'on appelle de vélo assistance électrique. Donc on leur fait faire des essais, on leur fait signer une décharge et puis ils font un petit tour avec pour tester ce tout nouveau système de vélo qui est bien évidemment plus rapide. C'est pas du domaine du cyclomoteur, mais c'est très rapide et surtout très efficace et très pratique dans les côtes. C'est tous les jours? C'est effectivement une utilisation quotidienne. C'est surtout pour de la promenade ou pour des trajets quotidiens. Mais vous, votre démo, c'est tous les jours? Ah non, c'est pas tous les jours. Non, on est là en partenariat du coup avec Petit Bain. Mais il y aura d'autres, par contre, il y aura d'autres essais, effectivement. Oui, il me semble en avoir vu une autre ou deux en mai et une en juin. Exactement. C'est ça? Ce sera le même contenu, vous montrerez l'usage qu'on peut faire avec. Il y aura aussi des essais de vélo assistance électrique. Il y a une promenade aussi organisée avec différentes associations du 13e qui permet donc avec un parcours organisé au préalable et qui permet aux gens de découvrir un peu, de mieux connaître leur quartier et puis de connaître aussi tous les lieux utiles, pratiques. Où est-ce qu'on trouve des vélos électriques? Parce qu'un vélo, je sais l'acheter, mais un vélo électrique qui est beaucoup plus cher, est-ce qu'on peut le louer? Est-ce qu'on peut... Ça, je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'on peut les louer? Il y en a à l'association, quoi, chez Voiture & Co. C'est une association grand public, Voiture & Co? Toc, je peux partir avec un vélo, je vous laisse ma carte d'identité, ça marche comme ça? Non, c'est sur les opérations, sur les interventions quand on est là comme ça, à l'extérieur. Effectivement, les gens peuvent passer, faire toc, essayer le vélo, mais ils doivent le ramener évidemment. Il y a des cas dans lesquels on demande une caution aussi. Et là, ils peuvent les utiliser pour un petit peu plus de temps. Je peux partir une semaine en vacances en prenant le train et un vélo électrique en bagage accompagné? Vous pouvez toujours prendre le train avec un vélo, après il y a un supplément à payer, donc évidemment vous pouvez prendre le train en vélo. Merci, je vous souhaite bonne chance pour la journée. Merci. Et les autres, vous serez là pour les autres? Pour les autres opérations, oui, on sera là. Ok. C'est quoi Voiture & Co? Voiture & Co, en fait, c'est une association qui fait d'une part de la prévention routière, donc dans les milieux festifs, dans les milieux scolaires et auprès d'entreprises. Et d'autre part... Les milieux festifs, c'est les rêves, c'est les choses comme ça? Les festivals plutôt et soirées étudiantes, puisque la prévention routière, c'est les accidents routiers, c'est souvent quelque chose qui concerne les étudiants, les jeunes. Il y a le côté sécurité routière d'une part et d'autre part la mobilité durable, donc l'éco-mobilité, donc, c'est-à-dire inciter les gens à utiliser d'autres modes de transport que la voiture individuelle, et notamment en ville, puisque d'une part ça coûte beaucoup moins cher et d'autre part c'est bien plus pratique et plus rapide. Mobilité durable, donc, c'est un médicament pour pas vieillir? C'est ça? Non, c'est ce que je viens de vous expliquer. En fait, c'est la mobilité durable ou l'écomobilité. C'est un autre. Enfin, si vous voulez, c'est tout ce qui est alternative à la voiture individuelle. Donc, d'accord. Le vélo, la marche à pied, le roller, etc. La voiture électrique, c'est dans la mobilité durable ou pas? Ça en fait partie, oui. Oui, ça en fait partie. Même quand il n'y a qu'une seule personne au volant et que ça ne transporte pas d'autres personnes? Alors, il y a le covoiturage aussi, ça en fait partie. La voiture électrique, c'est considéré comme un mode de transport durable parce que ça consomme moins, ça pollue moins. Et effectivement, il y a aussi le côté covoiturage. Alors, on peut faire du covoiturage avec la voiture électrique. Hein. C'est le top du top. Mais
Ok, voilà, c'est... Bah, merci. Alors, qu'est-ce qui évoque pour vous l'éco-citoyenneté ? L'éco-citoyenneté ? Éco-citoyen, ça veut dire quoi ? Certainement, pratiquer la mobilité durable, c'est une chose. Alors. Ça en fait partie, c'est le partage de l'espace, le partage du territoire, c'est connaître les petits commerces qu'il y a autour de soi, connaître ses voisins, connaître les associations existantes. C'est vraiment faire partie intégrante de son quartier et participer à le faire vivre aussi. Et en termes de consommation, ça veut dire quelque chose pour vous, les consommateurs ? Est-ce qu'il y a des façons différentes de consommer ? De consommer de manière générale. Tout. Le chemin de fer, l'avion, la nourriture. Oui, de consommer les transports, la nourriture, passer par des, peut-être, si possible, des producteurs locaux, etc. Les vêtements aussi. Ça en fait partie, tout ça en fait partie, je pense. L'eau, l'électricité. L'eau, l'électricité, exactement. Oui. Est-ce qu'on a le droit de boire une bière quand on est éco-citoyen ? Ou un coca ? C'est pas recommandé, j'imagine, lorsqu'on se dit être éco-citoyen. tout est une question de modération après. T'as encore une question, Pierre ? Merci beaucoup, votre patience en tout cas.